Ethereum n'atteindra pas sa maturité avant 2030. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a moyen de profiter de cette information, les amis. Vous savez, au fil des bull runs, les projets qui ont eu le plus de retours sur investissement, ce sont des projets de type infrastructure. Donc, si vous savez flairer la meilleure infrastructure, et vous serez, vous savez ce qui suivra. Donc, je viens de terminer mon analyse et oui, j'ai passé en revue toutes les blockchains, les amis. Toutes les blockchains que vous pouvez imaginer, je les ai passées en revue. Et j'en suis arrivé à une conclusion que je vais partager avec vous lors de la conférence. Quelle est cette conclusion? Il y aura deux types, deux catégories de projets de type blockchain qui vont émerger d'ici là. Première catégorie, ça sera des blockchains spécialisés dans le besoin des entreprises, c'est-à-dire des blockchains qui offrent des outils aux entreprises qui permettent de développer des logiciels et des produits adaptés aux besoins de ces entreprises. La deuxième catégorie, ça sera une blockchain qui est spécialisée dans le besoin des grands publics, donc qui va offrir des outils pour développer des logiciels que les gens vont utiliser sans même se rendre compte qu'ils sont sur une blockchain. Et ces deux types de blockchain existent déjà. Donc, dans chaque catégorie, j'en ai décelé deux qu'on va comparer lors de la conférence pour voir c'est qui l'heureux gagnant. Et oui, il y a 150 blockchains, mais vous savez, l'argent rentrera dans les fondamentaux. Et c'est ce que je vais partager avec vous le 16 à Ouagadougou et le 17 à Abidjan. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore pris leur ticket, que vous soyez en présentiel ou à distance, c'est disponible. Vous pouvez participer à la conférence. On se dit à très bientôt. Bye bye.